Tu sais, quand tu voulais filmer, puis que tes deux batteries de caméra sont mortes, ça va pas bien. Fait qu'on est sur mon vlog un matin. Bonjour tout le monde! Je vais juste commencer par faire mes petits cheveux avec vous. Parce que j'ai un petit tournage. Ben, deux tournages aujourd'hui en fait. Je vais filmer pour ma chaîne YouTube avec Audrey-Anne. Puis après ça aussi, tantôt, on a un podcast. On a été invité au podcast 5 à 7, pardon, ensemble. On va se maquiller ensemble dans notre vidéo. Puis là, mes cheveux, ces temps-ci, étaient en mode été messy, wavy, là. C'est comme une petite boucle naturelle, mais après quelques jours, ça fait jamais très beau. Fait que j'ai rebrosse, puis j'ai refrise un peu. Puis ouais, sinon, c'est ça, ces temps-ci, c'était un peu plus calme côté professionnel. Fait que je suis comme, hey, je pense que je vais me faire des genres de fausses vacances. C'est-à-dire, je vais continuer ma chaîne YouTube, tu sais, faire mes choses un petit peu régulières. J'ai plein de posts en backup, là, mettons, pour Insta, puis tout ça. Mais je me suis dit, je vais juste comme ajouter des choses le fun, en fait, dans mon horaire. Fait que des petits périples à gauche, à droite, des activités, voir du monde, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, puis tout ça. Fait que je suis là-dedans cette semaine. J'aimerais aussi vous faire un garden tour parce que vous me le demandez depuis longtemps. Puis là, je suis comme, faudrait que je le fasse. Imagine, il arrive une météorite, puis j'ai pas de souvenir du jardin. Je suis comme, faudrait que je le vlog pendant qu'il est encore temps. Fait que, non, sans joke, c'est juste parce que vous me l'avez demandé gros sur jardin rêverie. Fait que ça m'a rappelé que, oui, ça fait longtemps que je veux faire ça. C'est juste que j'ai jamais comme la bonne formule. Tu sais, je suis comme, quand est-ce que je le fais? Tu sais, il n'y a pas genre un pic dans la saison, il y en a différents. Là, on est plus ou moins dans un, mais bon. On va vous faire le tour de ma cour pareil, là, officiellement. On n'a jamais fait ça, tu sais. Je vous le montre à gauche, à droite, mais j'ai jamais fait de garden tour officiel. Sinon, demain, je vais aller chez ma mère à Trois-Rivières. On va aller faire un tour à la cuivonnerie Lily. Je vais aller à une autre place en nature avec elle, en tout cas. Bref. Je voulais faire aussi un Q&A sur Lily parce que je l'ai fait sur moi la semaine passée. J'en reçois souvent, en fait, dans les Q&A de la chaîne de vlog Point des questions sur Lily, genre pourquoi qu'elle va pas dehors, pis tout ça. Fait que je vais répondre. Je vais tout répondre one shot. Ça va être ça le programme. Fait que, yo. Welcome! Bonjour! C'est cute nos maquillages! Oui, pour vrai, on est cute! Ils sont vraiment bien faites! C'est fou, mais... J'adore! Yeah! Je suis en train de manger full vite. On est revenu du podcast, ça a bien été. Mais on a fini un petit peu plus tard que prévu. Fait que là, je me grouille et je veux comme me démaquiller parce que je m'en vais. Hey, ma puck, elle n'a pas rapport. Ma puck. Je m'en vais à boxe, ça commence à 7h15. Il est 7h-4. Il faut que je me démaquille, que je m'habille, que j'aille. Puis c'est pas grave si j'arrive un peu en retard, là. Ça serait une première et puis j'arriverai dans l'échauffement. Mais c'est ça qui va arriver en fait. Là. Mais je veux dire, je me dépêche. Je veux quand même souper un peu avant pour donner de l'énergie. Encore plus! Regardez mes cheveux quand je sors de la boxe. Tu sais, je vous dis, je vais une fois par jour, non. Je vais une fois par semaine. Mais quand j'y vais, je sors toujours comme ça. Ça, c'était toute trempe. Allô? Je me suis perdue sur Insta. Je me suis perdue dans les reels. Oh, j'haïs ça. Mais on dirait que j'étais pas sur mon sel aujourd'hui. Puis que là, le soir, on est accro. Hein. Fait qu'on fait un petit catch-up. Là, bref. Je me suis perdue. Faut pas que je fasse ça. Faut que je fasse mes devoirs. Faut que je fasse mes bagages pour demain. Parce que je sais pas si je dors chez ma mère, mais sûrement. C'est ça. Je veux juste me mettre mon ancien vlog à poster en backup pour le réécouter. Des fois, j'ai des petites erreurs avec la musique. Je peux pas poster straight up. Alors, je dois me taper 37 minutes de moi qui jase. Juste pour être sûre que je peux le mettre demain. Après des heures de montage. Tu peux mettre ton ascension dedans. J'avais cru que tu ne prenais pas ce qu'elle a là. Ah, il est gros là une fois qu'on est dedans. Tu veux pas monter si souvent. Allô, Bibi! Ça va? On va jaser de toi, ma cocotte, au matin. J'ai eu des questions sur toi, des belles questions. Tu veux te répondre avec moi? Mais déjà, je vais te donner à manger. Parce que d'habitude, c'est ça la raison pour laquelle tu me réveilles tôt. Est-ce que t'as faim? J'ai lavé ton bol hier en plus. Petit bol interactif ici.
On utilise ça parce que Lily c'est un chat d'intérieur puis ça l'aide à, comment dire, un peu chasser pour sa nourriture, ça stimule le cerveau, ça réduit l'ennui, fait que ça, peu importe lequel en fait, je conseille. T'as-tu faim? Lily est rendue sur le Akana depuis quelques mois et elle aime beaucoup. Celle-là, c'est la sorte poisson, mais il y en existe d'autres. Fait que sur fond de Lily qui mange, je vais aller rechercher vos petites questions sur YouTube et Insta. Je vais prendre sa petite couverte sur moi parce que j'espère qu'elle va venir faire ses pattes sur moi en vlog. À chaque matin et à chaque soir, elle les fait. Puis ça, c'est sa couverte. Quelque chose de vraiment mignon qu'elle fait tout le temps. Ben, il y a bien quelque chose cute qu'elle fait, mais on l'avait détecté quand elle était très très jeune. C'est que quand elle saute sur un meuble, elle fait tout le temps un petit son. Puis comme jeune, ça sonnait là, vraiment pas fort, mais on l'entendait. Tu sais, elle saute sur un meuble, une chaise, n'importe quoi, puis c'est comme... Elle fait tout le temps un petit son de poule. C'est comme si ça lui demandait un effort, fait qu'elle comme... Elle fait tout le temps ce son-là. Je trouve vraiment cute. En tout cas, Jack faisait pas ça, fait que je pense pas que c'est toutes les jeux qui font ça. Question toute bête, pourquoi s'appelle-t-elle Lily? Y a-t-il une histoire derrière ce prénom? Effectivement. Fait qu'à la base, Lily, je voulais l'appeler Luna, mais la personne qui nous a donné en adoption Lily, elle avait deux autres sœurs aussi. Elle, pas la personne. Fait que trois petites chattes, la fille a gardé un de ces chats-là et l'a appelé Luna. Là, j'ai fait, ah ben c'est drôle, crime, c'est ça que je comptais donner comme nom. Je sais pas pourquoi c'est ce qui m'a inspiré quand je regardais. Puis finalement, ben j'ai dit, ah, ok, non, je vais pas prendre ce nom-là, même si ça dérangeait vraiment pas la personne, of course. Là. Mais j'ai dit, ah, Lily, ça ressemble. Puis Luna et Lily, c'est deux noms qui sont tirés d'Harry Potter. Fait qu'il y avait un petit lien. Comment va sa santé? Quel âge a-t-elle? Sa santé va bien. Écoutez, là, faut vraiment que je touche du bois, là, parce que vous savez, avec les histoires à Jack, je suis tout le temps restée un peu sensible à ça, mais elle va super bien. Elle a tout le temps, il n'est jamais rien arrivé de grave ou de persistant. Elle a quel âge? Je sais pas exactement, parce que c'est un petit chat qui était abandonné dans la rue. Qu'on a eu, je pense, à même pas 3 mois, là. Peut-être 2 mois et quelques. Puis c'était en 2018. En théorie, elle aurait déjà 6 ans. Ok, cette question-là, je sens qu'il faut que j'y réponde parce que ça combine mes deux passions, donc c'est normal que je la reçoive souvent. Comment je fais pour avoir autant de plantes? Parce que, bon, la personne a dit que son chat, elle, elle mange les plantes, elle gratte la terre, fait tomber les pots. Quand Lily veut être tannante, elle sait comment me chercher, elle sait comment me trouver, fait qu'elle va le faire, mais règle générale, tu sais, ils sont pas tant accessibles pour elle. Si on regarde ici, par exemple, dans ma bibliothèque, j'en ai plein, mais elle peut pas grimper là-dedans. Sinon, j'en ai beaucoup, c'est ça, qui sont sur des tablettes ou suspendues. Si on regarde plus comme le ficus, oui, ça voudrait être tannante, elle pourrait venir comme gratter la terre, mais il se vend chez de l'eau, entre autres, des genres de petits tapis spiky là, qu'on met d'habitude dans le jardin, dans le potager. Fait qu'il y aurait ça qui peut décourager temporairement, puis après, on les enlève quand le chat a perdu l'habitude. Mais honnêtement, je suis chanceuse, là, elle a jamais été si pire que ça par rapport à d'autres chats, là. Tu sais, je l'ai comme chicanée jeune, puis elle a compris. Ah, il y a trop de questions. Va falloir que je fasse une part 2 pour vrai dans un vlog, puis elles sont toutes bonnes, sont toutes différentes. Puis là, j'ai vraiment soif, j'ai mal à la gorge depuis hier, fait que je vais aller me faire un petit breuvage, je reviens. Parlant de bouffe, tiens, comment est-ce que tu gères ton alimentation pour pas qu'elle ait de surpoids vu qu'elle ne sort pas à l'extérieur? Ouais, ben ça, je vous avoue, avec mes chats que j'ai eu dans ma vie, ça a tout été un défi. Effectivement, j'ai juste eu des chats qui n'allaient pas à l'extérieur, donc c'est sûr que le faire jouer, puis par exemple faire jouer, mettons, dans les escaliers, Lily est super habile, fait que des fois, j'y lance la balle là-dedans, tu sais, fait que ça fait monter, descendre, monter, descendre. En même temps, elle a pas un cardio d'athlète, là, tu sais, fait que je respecte que quand je vois qu'elle a chaud, mettons, l'été, tu sais, on fait attention. Fait que je pense que ça reste un défi pour, c'est ça, bien des chats d'intérieur. Moi, le truc que j'ai aimé avec Akana, ça le dit ici, mais la teneur en protéines est plus élevée que son ancienne bouffe. Fait que j'ai l'impression que depuis qu'elle a pour vrai, qu'elle me quémande moins de nourriture parce que ça la satisfait plus. Avant, c'est parce qu'elle pouvait me demander plusieurs fois dans la journée. Tu sais, les chats, souvent, ils font des petites collations. Ils aiment ça plus grignoter à travers la journée, mais là, je trouve que c'est vraiment plus. C'est du lait plus espacé depuis qu'il est sur ce bouffe-là. Fait que ça, j'aime bien. Puis, tu sais, elle a tout le temps mangé majoritairement du sec, mais avec Jack, on avait su que c'était bon aussi des fois d'alterner quand même avec du humide, là, surtout si le chat boit pas assez. C'est pas son cas. Mais nous, la canne humide à Canada, dans le fond, on la donne quand on coupe ses griffes. Des fois, ça peut être un petit bonus, ça, on en donne un peu plus. Mais mettons qu'on coupe les griffes aux 3 semaines, je sais pas trop. On prend tout le temps ce truc-là, en fait, qui marche super bien. Ça l'occupe. Puis pendant ce temps-là, moi, je suis comme en haut. J'a stabilise si jamais elle veut sauver. Puis Pat, il va. Tchac, tchac, tchac. On fait vraiment une bonne équipe à 3 comme ça. C'est la seule façon que jeune, on a appris à lui couper les griffes sans l'emmener ailleurs. Il y a des questions sur les tricks que j'y fais faire. Je vous l'ai déjà montré en vlog, fait que j'ai inséré juste des clips, là. Je sais pas si elle le ferait un matin, on peut essayer après. Mais écoutez, j'ai regardé un documentaire, c'est les chats sur Netflix, puis ça m'a donné envie d'essayer, puis je me suis dit, elle est tellement gourmande que d'après moi, elle va être facile à trainer. Genre, c'est ça que l'éducateur, il avait dit sur elle, en fait. Sauf qu'elle savait juste faire high five quand je fais ça, tu sais, elle se lève. Mais finalement, rapidement, elle s'est mise à en savoir plein d'autres. Comme ça, elle prenait des fois 5 minutes, puis elle savait le nouveau tour. J'ai pas de clicker, tu sais, comme pour les chiens, fait que moi, je le faisais avec ma bouche. Quand elle catchait qu'est-ce qu'il fallait faire, je faisais ce son-là.
Puis j'y donnais tout de suite la gâterie pour qu'elle l'associe. Ok, Lily, assis. Bonne fille. Oh, déjà prête avec ses mains. Non, ok, on va tourner. C'est bon. Apparemment, il faut donner une gâterie à chaque action, là, mais des fois, je fais travailler un petit peu plus. On va te donner une petite mini récompense. High five! Oui! Assez couché aussi, comme les chiens. Couché! Bonne fille! Est-ce que Lily dort avec vous? Oui, tout le temps. Est-ce que toutes les chiens font ça, by the way? Parce que j'ai beaucoup de chiens, mais... Ouais, Lily, tout le temps, elle a son petit panier, en fait, sur la commode. Fait qu'elle saute là, elle dort là-dedans. Elle est tout le temps là. Puis j'aime ça comme ça. C'est comme si on a une petite famille. Ah! Coucher, elle vient tout le temps. Fait que tu sais, ça fait partie de la routine. 2-3 fois par jour, je vous dirais. Il y a des questions sur ton poil, Lily, ça revient souvent. C'est combien de fois par mois j'abrosse? J'abrosse jamais. Elle a un full beau poil. Full doux, mais c'est elle qui en prend soin. J'ai rien à voir là-dedans. Elle a jamais de nœuds, fait que c'est ça. Elle se lave bien, elle se lave gros, je sais pas, mais c'est vraiment pas naturel vlogger de même. Est-ce qu'elle se cache lorsqu'il y a des invités? Quand il y a de la visite, l'affaire c'est qu'elle est curieuse. Fait qu'elle va rester dans la pièce, mais elle veut pas se faire toucher. Tu vois, on dirait les chats quand t'es en visite qui aiment pas le monde, ils se cachent dans le sous-sol. Elle non. Genre, elle va aller sur le frigo, elle va aller dans l'îlot, mais elle veut un œil sur la situation. Bien important parce qu'on est chez elle ici. Le monde qui l'approche est comme, oh, elle veut pas se faire flatter. Surtout si c'est quelqu'un qu'elle a jamais vu puis qui va vite vers elle, elle réagit. Mais elle va pas mordre, là, elle mord jamais, genre, mais c'est ça. Elle va faire des fois comme une face ou se reculer ou un petit son de touche-moi pas, là. C'est fun, avoir un massage gratuit tous les jours comme ça. J'aimerais mieux être dans le dos, mais pour l'instant, c'est le ventre. Tyrone, es-tu contente de la vidéo? Oui. Il n'y en a plus trop, mais il y en a qui reviennent souvent, notamment par rapport au fait qu'elle ne va pas dehors. En fait, moi, comme je dis, j'ai tout le temps vu des chats qui vont pas dehors. Fait que ça, c'est my normal. Mais après, là, c'est comme juger l'éducation des enfants. Là, tout le monde a son, t'sais, propre vision des choses. Il y en a qui me demandent pourquoi qu'elle va pas, genre, juste dans mon jardin. Mais c'est parce qu'elle sauverait du jardin, comme les chats des voisins sont tout le temps dans ma cour. Donc, l'inverse est possible aussi. Il y a énormément de chats dans le voisinage. Elle adore les regarder comme du cat TV de l'intérieur. J'ai jamais eu mes chats dehors, j'aurais trop peur, on dirait, de peu importe qu'est-ce qui peut arriver, je sais pas. Par rapport à ça, justement, comment fais-tu pour pas qu'elle ait envie de sortir? Elle a jamais eu cette envie-là, je sais pas pourquoi. Je pense Jack peut-être un peu plus, mais elle... Sérieux, des fois, genre, ça m'est arrivé d'oublier le moustiquaire, mettons, ici, de la porte patio ouvert pendant que j'allais dans le cabanon. Elle est sortie sur le patio en mode genre curieuse encore une fois là, tu sais, elle me regardait puis elle a jamais cherché à s'enfuir, tu sais, comme je fais une réaction genre oh, Lily rentre dans la maison puis elle rentre là, comme elle écoute vraiment bien en général là. Dernière question maintenant parce que je vous dis je pourrais continuer longtemps, sont toutes bonnes, mais par rapport à ses jeux, c'est quoi ses jeux préférés? Parce que la personne me dit que sa chatte se tanne souvent en fait, puis je comprends parce que Lily aussi on dirait que de l'avoir habituée jeune à tout le temps jouer deux fois par jour, ça fait que ça s'épuise plus vite. Il y a des classiques, de temps en temps ça marche un peu comme le laser, mais je sais que c'est pas bon de faire juste jouer un chat avec ça. Ça c'est genre son coffre à jouer. Il y a des papiers de soie dedans parce que hein, j'ai garde des colis. Les chats adorent les genres de crinkle sound comme ça. Quand ils s'ennuient des jouets, remettez de l'herbe à chat dessus, ça là, ça les reset. Son jouet préféré c'est cette affaire-là. Mais particulièrement la petite boule ici. Ça, c'est comme de la corde, du petit bois, des petits pompons de même, mais c'est cette affaire-là. Je sais pas pourquoi t'avais googlé l'autre fois, c'était quoi? C'est pas Silver Wine, je pense. Fait que dernièrement, ça, c'est son petit jouet préf. Sinon, ben, faire les tricks avec les gâteries, c'est des jeux. Les mouches, l'été, je les laisse rentrer quand ils veulent rentrer. Parce qu'elle, ça l'occupe pendant super longtemps. Ah, elle joue avec son jouet. Elle peut pas résister au goût de la petite boule, que je sais pas c'est quoi. C'est l'amour fou, ce petit bâton. Non, c'est tellement niaiseux, mais des fois, juste une languette de papier, là. Genre, mettons, je la glisse. C'est des jeux de cachette, en fait, des cache-cache comme ça. Mais sinon, allez chez Mondou, ils ont plein de jeux pour vos animaux et ils ont aussi Akana maintenant. J'avais tellement entendu parler, ça fait longtemps de cette marque-là, parce que mon amie qui a des chiens, c'est le cas, elle ne jurait que par ça, tu sais, elle disait c'est vraiment de la beauté qualité pis tout ça. Fait que j'avais toujours eu une bonne impression de cette marque-là. Et maintenant, Lily aussi. Ok, c'est tout, gang. Merci d'avoir écouté. Yay! C'est le premier garden tour et je suis équipée d'un micro.
C'est merveilleux parce que sinon, je me demandais comment on allait le faire pendant toutes ces années. Puis aussi la question de, tu sais, quel timing. Mais dans le fond, il n'y en a pas de bon timing. Il y a plusieurs pics dans les jardins. Puis là, on est comme printemps, transition, été. Fait que les plantes sont encore petites. Ça fait pas super longtemps qu'ils ont été plantés pour ce qui est des annuels et tout ça. Mais bon, ça donne déjà de la couleur. On est content. Fait que je vous présente ma cour officiellement aujourd'hui. On est dans la section ici qui est clôturée à cause de la piscine. Mais il y a une autre section à côté qu'on peut passer par la petite porte secrète. Fait que je vais vous montrer ça. Ici, on a un petit coin que vous avez peut-être vu dans un vlog. Je pense que c'était pas l'été passé, l'autre avant qu'on a fait ça. On avait pris la décision avec Pat d'enlever les rosiers parce que ça fleurit, ben les nôtres en tout cas fleurissaient juste une fois dans l'été. Puis le reste du temps, c'était juste un gros arbuste piquant, là, puis que ça a fait des maladies, il y a des insectes ravageurs. Bref, compliqué. Alors vraiment pas fâché finalement là, de la décision ici de changer les deux petits coins de part et d'autre de la piscine pour des hydrangées sur tiges qui sont pas en fleurs là, mais à la fin de l'été, ça fait des beaux gros pompons coniques blancs qui vieillissent roses, fait que ça fait vraiment très beau pendant longtemps, même l'hiver, ça fait un attrait hivernal, full facile d'entretien. Puis on a osé les lavandes au pied. Je dis osé parce qu'en magasin, j'avais demandé est-ce que ça peut être une bonne idée vu que c'est vraiment pas des plantes de la même famille, tu sais, l'hydrangée est comme bien à la mi-ombre. Les lavandes, ils veulent du plein soleil puis ils préfèrent des sols secs tandis que l'hydrangée veut du sol humide. Mais la fille m'avait dit oui, si j'étais toi, je l'essayerais. Puis ils vont très bien. C'est absolument fou comment ils ont grossi en si peu de temps. Fait que bien contente de ce petit coin-là. On va aller au coin opposé de la piscine. Ça, c'était le projet de l'été dernier que j'avais aussi filmé le processus en vlog. Ça a été, je pense, pas un one-day project, mais un week-end project. Là. On a pas chômé. Ça ressemblait zéro à ça ici. Il n'y avait même pas comme le gravier par terre. L'idée, c'était de faire un coin feu parce que c'était comme un petit coin inutile. Il y avait juste une tonnelle. Il y avait mes clématites qui étaient là aussi, mais qui avaient de la misère à s'accrocher dessus. Fait qu'on a complètement changé ça. Ici, avant aussi, il y avait des plantes en pot, donc des annuelles qui demandent un arrosage vraiment régulier. Puis je trouvais ça un peu tannant. Fait que, tu sais, pour utiliser moins d'eau puis me simplifier la vie, les tâches, je me suis dit, je vais planter un jardin qui tolère la sécheresse. Donc, c'est pour ça qu'on a encore un beau rappel symétrique ici de lavande, qu'on a des échinacées, fétuques et du thym. J'ai du thym citron ici. Juste pour l'odeur, ça, c'est merveilleux, honnêtement. Pas tellement pour consommer, mais plus pour sa beauté puis son odeur, comme les lavandes. Fait que ça fait un beau petit coin coloré, parfumé. Et il y a le mur de clématite qui, ma foi, commence à être très, très beau. Je suis vraiment contente parce qu'ils sont bien plus mis en valeur maintenant que ce qu'on avait avant. À chaque jour, je reviens puis j'ai replace sur le treillis pour vraiment qu'ils embarquent sur les cordes parce que le but, c'était de faire comme une espèce de beau damier. Fait que je suis vraiment contente. Ceux-là, en plus, sont nouvelles. Je les avais plantées l'année passée en refaisant le coin, mais je les avais pas vues encore. Les Jackmani, ça fleurit là, abondamment, mais ils sont juste à leur début. Puis j'avais celle-là avant, je pense que ça s'appelle The First Lady, mais très, très belle. Ça fait des années que je l'ai, puis elle va bien. Fait que là, ça, c'est la section de plate-bande arrière. C'est la première que j'ai réalisée avec la maison. Il y avait rien ici, en fait. Il y avait juste une rhubarbe qui repoussait quand on est arrivé en 2016. Fait que ça s'est bien transformé. Ça emmène quand même son lot de défis de planter, par contre, en dessous des cèdres, c'est-à-dire que ça fait de l'ombre, puis les racines des cèdres sont superficielles, fait que ça combat beaucoup là, avec ce qu'on essaye de planter. Ça prend des plantes qui sont faites fortes, fait que c'est comme très essai-erreur. Puis plus les années passent, plus les cèdres grossissent, sont pas à nous, fait qu'en théorie, on n'est pas supposé les tailler, fait que c'est ça. Ça fait toujours de plus en plus d'ombre et de compétition avec les racines. Mais overall, je pense que je suis quand même contente du résultat. Je suis sur mon petit banc où j'aime bien des fois lire des livres et profiter de la beauté comme des pivoines en ce moment qui sont en fleurs. Ben, ils sont un peu vers la fin, là. Il y a eu beaucoup de pluie, fait que ça les a un petit peu massacrés. Ça sent tellement bon. Les hydrangées grimpantes, juste une mention, juste un shout-out parce que l'année passée, ils rushaient leur vie puis j'étais comme, je vais-tu les perdre? Ça fait genre, je pense, 5 ans que je les ai plantées facile. Ils n'ont jamais fleuri encore. Là, ça, je sais, c'est long, les hydrangées grimpantes. C'est comme, ça peut être long avant que ça fleurisse. Mais là, ils ont commencé à faire du feuillage puis à s'étendre, il y en a une autre là-bas, même chose. Elle va super bien. Fait que je suis contente. Au moins, ça t'offre. Fait qu'elle aussi, elle va bien, mais pas de fleurs en vue non plus pour cette année. Fait que je suis bien déçue. Sinon, ben, ce que j'aime en juin, c'est toute la haie de salvia que j'ai plantée ici. On a même les scabieuses qui s'ajoutent à la danse depuis très peu. Elles sont vraiment belles. On voit des butineurs dedans. Il y en a tout le temps. Vraiment un aimant à pollinisateurs, les scabieuses. Full facile comme plante. Puis c'est pas mal ça pour cette plate-bande-là. On m'a dit de m'accessoiriser l'oreille. Ça tient. On le fera pas en détail, mais le potager, c'est comme tout le temps la partie que j'aime le moins perso. Il y en a qui font que des jardins de légumes. Moi, c'est vraiment plus les fleurs, mon dada, ma spécialité. Fait que j'en fais un pareil à chaque année, un potager, mais c'est vraiment pas ce que je trippe le plus. Puis là, il est récemment planté, fait que tout est très petit, là. Ah, vous êtes là!
Ça aussi, on va passer vite parce qu'il n'y a pas grande action encore. Là. On est en début de saison. Fait que mes semis que j'ai fait cet hiver ont été plantés récemment, mais ça, c'est le cutting garden. Donc, toute la partie ici qui ne servait à rien, décider d'enlever le gazon, mettre des annuels là pour pouvoir faire des bouquets. Fait qu'il y a genre juste deux semis que j'ai partis là, qui sont en fleurs, là, genre les mufliers puis les dauphinelles là-bas. C'est tout petit, mais à la fin de la saison, ça va être beaucoup plus haut et coloré et je vais pouvoir me faire plus de bouquets. En ce moment, c'est un peu shy. Mais voilà, je vais vous emmener maintenant dans l'autre section. On a la chance d'avoir la compagnie d'un gros camion qui fait du bruit, fait que peut-être le son va être moins bon à partir de maintenant. Ça, c'est l'autre section, comme je disais, on est rentré par le fond. Mais ici, donc, on a une haie de spiré qui a été plantée. Bien, quand on a fait cette section-là, tout l'aménagement, parce qu'ici, avant, il y avait un garage, fait que ça a été tout rasé, on est reparti à neuf. C'était en 2020, fait qu'ils ont 4 ans des spirés, puis là, ils viennent de finir leur spectacle, mais au printemps, c'est juste tellement, tellement beau. C'est juste que ça dure pas longtemps, malheureusement, les spirés, mais tout ça, imaginez ça, couvert de blanc, c'est vraiment magnifique. Fait que les deux plates-bandes qui sont là, donc, ils ont été créés à partir de 2020, mais à chaque année, j'ajoute, je modifie, j'améliore. Là, on n'est pas dans un pic nécessairement, je veux dire, au printemps, c'est magnifique parce qu'il y a les spirés, il y a le lilas en fleurs, celui du voisin aussi. Mais là, ce qui est très beau, c'est les petits dianthus que j'avais partis seulement l'année passée en semis, puis c'est des vivaces, puis ça fleurit tellement abondamment puis longtemps dans l'été. Ça reste beau aussi, fait que pour faire des bordures, c'est magnifique. Genre, c'est sûr, j'en refais plus l'année prochaine puis j'en mets partout. Sinon, ça aussi, c'est des semis que j'ai partis dans les dernières années, mais les foxglove, les digitales, magnifiques. Bon, c'est toxique, on fait attention aux animaux, aux enfants. Fait que c'est pas mal juste ça qu'on a comme couleur ici en ce moment. Mais les marguerites, c'est ça, ça s'en vient très vite. Là, on en a une déjà d'ouverte ici, fait que ça va faire un beau pop de blanc aussi. Même chose ici, vous voyez les couleurs, on reste dans la thématique mauve, bleu, blanc, rose. Beaucoup de rose en ce moment, encore les dianthus. Il y a mes encolis. J'ai parti en semis l'année passée. Ça fleurit juste la deuxième année, alors il faut être extrêmement patient. Et en plus, ils s'appellent des Blue Star et ils ont sorti un peu mauve. Alors, je suis triste parce que moi, les fleurs bleues, c'est mes préférées. On a le Penstemon ici qui est rendu gigantesque à sa troisième année. Il a vraiment dépassé le pronostic. Fait que, ouais, c'est un peu rendu gros pour ce qui est, mais bon. Voilà, digital, sauge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Camomille en fleurs bientôt, mais elle est un petit peu gênée. Zéchinacée, ça s'en vient. Hydrangée arbustée, puis la bobo, elle reste assez bas, fait que ça, c'est le fun. Puis elle fait de l'ombre au pied de la clématite, parce que comme vous savez, les clématites, il faut qu'elle ait la tête au soleil, mais les pieds à l'ombre. Puis juste une fleur dedans pour l'instant. Je sais qu'elle avait eu de la misère l'année passée, fait qu'elle revient timidement. Fait que c'est ce qui conclut le Garden Tour. Le soleil est sorti, le bruit aussi, fait que on va rapper ça, mais j'espère que vous avez apprécié voir. Puis si vous en voulez un plus comme en fin de saison à l'automne, cette année, je pourrais vous refaire ça. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, Jardin Rêverie, je fais des updates quotidiens là, dans la belle saison. Fait que voilà! Salut! Je suis en maillot de bain, je m'en vais dehors, il fait 33 aujourd'hui. C'est le début de la canicule, fait que je me crème, puis après ça, je saute dans la piscine, je sais pas à combien, mais il faut absolument que j'y aille, puis je vais faire des emails, mais genre dehors, fait que... C'est ça, joindre l'utile à l'agréable. Comme je vous ai dit, je fais moitié travail, moitié vacances cette semaine, au lieu de prendre des vraies vacances, en tout cas pour l'instant, là, il y en aura plus tard dans l'été. Fait que j'espère que vous avez aimé ce petit vlog décousu. Là, je vous emmenais avec moi aujourd'hui à un événement à Veda. Ils n'en ont jamais fait à Montréal, je connaissais pas du tout la marque, fait que j'ai hâte de voir. Puis hier, c'était le fameux lancement du documentaire de Céline Dion, fait que ça, c'était vraiment intéressant. Il y a eu comme plein d'anecdotes là, au fil de la soirée. On dirait que les premières, il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose qui chie. Donc entre les problèmes techniques de son, quelqu'un qui s'est genre évanoui dans la salle vers la fin du documentaire quand ça devient très corsé à regarder, je vous dirais, là, je veux pas comme dévoiler le punch au cas où vous le voyez parce qu'il est pas sorti encore, mais c'est ça, il y a un bout très rough à regarder vers la fin, qu'on était beaucoup d'avis qu'il y aurait peut-être dû avoir un petit trigger warning, pardon. En même temps, c'est la vie, c'est ce que Céline vit, et je veux dire, si nous on souffre juste à regarder cette scène, je peux même pas imaginer comment elle souffre d'être dans son corps. Fait que c'est ça, mais bon, vous aurez été prévenus, mais sinon, ouais, c'était super bien réalisé. J'aimais trop les petits bouts comme dans son quotidien, comme un vlog justement avec ses ados, puis je sais pas, toutes les blagues qu'elle fait. Oh, elle est tellement drôle, je l'aime tellement. Fait que ouais, c'était une belle soirée. Puis je vais conclure en disant merci pour vos commentaires sous le dernier vlog. Pour la plupart, tu sais, je pense que vous avez été super respectueux et compréhensifs. Compréhensive, là, je devrais dire au féminin, vu que vous êtes plus de femmes à m'écouter que le contraire. Mais ouais, j'ai pas encore
de solutions. Tu sais, j'avais déjà 2-3 vlogs, c'est ça, de prévus, dont celui-là. Fait qu'on verra après ça pour l'avenir. Je pense pas que les mettre sur ma chaîne principale serait nécessairement une solution, au sens où je le faisais avant, en fait. Puis justement, il y a des gens qui aiment pas les vlogs. Fait qu'après, ça, l'algorithme, ça nuit un peu pour les prochaines vidéos. Fait que c'est pour ça. Mais à voir, là, à voir dans le futur. Tu sais, mon but, c'était pas de genre fermer la chaîne puis de tout remettre mes vidéos privées. Dans un premier temps, ça serait jamais ça mon objectif, en tout cas. Mais c'est ça, en moins d'y aller pour des vlogs plus techniques, moins de blabla, moins perso, puis que là, je pourrais les donner à un monteur parce que ça serait assez, genre straight to the point, plus comme une capsule maquillage. Si on reste dans les vlogs plus perso, plus blabla, chose que j'aime faire, puis chose que vous aimez aussi, je pense ici, là, tu sais, je vous ai habitué à un format, genre vraiment long de vlog, ben là, à ce moment-là, j'ai pas de solution. Fait que voilà, mais merci beaucoup de c'est ça, votre compréhension. Je pense qu'il y en a que, chez qui ça a plus résonné que d'autres, mais je comprends aussi tu sais qu'il y en a qui sont pas dans ma réalité. En fait, toutes vous qui m'écoutez probablement n'êtes pas créateurs de contenu ou très très peu, là. Fait que, il y en a qui me disaient, j'ai de la misère à imaginer, tu sais, quand tu dis tu travailles trop pis tout ça. Ça, je vous en reparlerai si vous voudrez. Parce qu'autant des fois, j'ai des commentaires de genre, oh mon dieu, tu produis beaucoup. Genre, je comprends que ça arrête jamais parce que t'es travailleur autonome, donc y'a jamais personne qui t'arrête, nanana. Autant qu'il y en a d'autres qui sont comme, t'as l'air de genre. Être trop relax parce que quand je vlogue, en fait, c'est quand je prends le temps, tu sais, de faire comme une petite pause dans ma journée, je sais pas comment dire. Genre, toute la journée, quand je fais du montage, des affaires de même, des emails, tu sais, je le filme pas sur Insta ni ici parce que c'est pas le plus intéressant, je vous montre juste des petits bouts. Fait que je sais que ça donne comme une fausse impression, fausse réalité, mais pour vrai, j'ai très peu de temps pour moi. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je veux faire les changements. Merci d'avoir écouté ce vlog-ci aussi, tout le monde, puis j'arrête de parler parce qu'il va être en masse long comme toutes les autres. Fait que bye! Allez profiter du soleil puis de la piscine un peu, j'espère qu'il est chaud. J'espère. Ok, bye!